Fougères, cité bretonne au célèbre château, a connu bien des sièges au fil des siècles. En ce deuxième week-end de novembre, c'est sa place parmi les formations encore en lice en Coupe de France que la ville d'Ille-et-Vilaine va tenter de défendre. Bienvenue à la FFF TV et bienvenue au château de Wagui. Et je suis également le propriétaire d'un lieu où on a développé depuis 2 ans un football center pour les clubs pro, pour les stages de football. Le Fougères, c'est effectivement, mine de rien, une vraie forteresse. Et il y a 11 tours au château de Fougères et il y a un 12e ici. Et donc avec ça, on va avoir une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Et c'est ça la beauté aussi, la Coupe de France. C'est une chance inouïe pour notre club et pour la ville. Bien qu'ils aient tiré le SC Bastia pensionnaire de Ligue 2 comme adversaire au 7e tour, les joueurs de l'avant-garde laïque drapeau de Fougères qui évoluent 3 échelons plus bas en National 3 se préparent tout bonnement pour réussir un exploit. La seule entorse qu'on fait à la préparation d'avant-match, c'est de ne pas être au foyer du club, puisqu'il y a de l'effervescence à Paron, qui est le complexe sportif où nous entraînons et où on va jouer ce soir contre Bastia. Donc on est sorti juste chez un partenaire du club pour faire le brief et la collation. Mais voilà, l'idée majeure, c'est surtout de ne rien changer. Ne rien changer pour être dans une approche optimale et sereine de l'événement. On a l'adrénaline qui monte gentiment depuis le début de la journée. Là, donc c'est vrai que pour nous, ces matchs-là, c'est assez particulier puisque ça nous sort un peu de notre quotidien et du championnat. Donc forcément, c'est des moments qu'on apprécie avec une ambiance particulière qui a été toute la semaine aussi au niveau du club. Donc ouais, on a hâte d'être sur le terrain à 19h. Ouais. À l'heure de recevoir une équipe corse vainqueur de l'épreuve en 1980, les Fougères se savent soutenus par toute une ville. Il y a un engouement pour ce match-là, c'est incroyable. Il y a vraiment, tout s'arrête pour un match de football, mais pas dans son sens négatif. C'est vraiment parce que tout le monde est uni autour de cet événement. La fierté, c'est absolument fantastique. Et c'est là où tu te sens bien que, oui, le football, c'est un sport populaire, mais c'est un sport populaire dans toutes ses facettes et dans tous ses sens. Et si ce duel contre Bastia propulsait Fougères parmi les grands de Bretagne? En Bretagne, il y a beaucoup de clubs qui ont ces gènes, cette capacité à créer des exploits de manière régulière en Coupe de France. Et l'envie, c'est donc de faire rentrer progressivement Fougères dans ce clan de clubs bretons capables de se sublimer sur des affiches telles que celle-là. Mais ça nécessite du temps. J'espère que dès ce soir, on soit en mesure de le faire. Mais si on ne le faisait pas ce soir, ce sera un leitmotiv par rapport à la Coupe de France sur les saisons qui viennent. Ça fait depuis 79 qu'on n'a pas affronté un match, on va dire tout confondu, un club de Ligue 2. En vraie compétition Coupe de France, ça fait depuis 59. C'est quand Stade Rennais était en Ligue 2. Donc ça date quand même. Mais c'est vrai, c'est une fierté et c'est un plaisir. La Fougères, c'est l'effervescence, quoi. J'ai fait un tour en ville ce matin. Tu passes beaucoup de temps à discuter sur le football. L'objectif de jouer une équipe hiérarchiquement supérieure, c'était pas quelque chose d'insurmontable pour nous. La preuve, on y est. Maintenant, le principe de l'objectif, c'est quand on l'atteint, c'est être capable de le réévaluer aussi. Et en Coupe de France, quand on le réévalue, là, on tutoie la notion d'exploit. C'est cette quête-là qu'il faut aller chercher. C'est, dès l'instant où on va démarrer le match, appuyez-vous sur ce qu'on a l'habitude de faire. Et par contre, mentalement, faites en sorte de l'exprimer pleinement, avec l'énergie supplémentaire. Et l'énergie, elle n'est pas que athlétique, on fait marcher le cerveau, Il faut que ça aille vite là-haut. Le logiciel marche super bien et je solutionne. Parce que dans cette démarche-là, mentalement, vous allez impacter l'adversaire. Ils vont mesurer qu'effectivement, on est une équipe de N3, mais qu'on est capable, pour le coup, de monter un peu le curseur. Et par définition, ça va leur compliquer la tâche. Il faut leur envoyer ce message-là très vite. Pour parvenir à ses fins, le club qui a notamment fait éclore le madrilène Eduardo Camavinga, vraie fierté bretonne, pourra compter sur une armée de courageux chevaliers, mais aussi sur sa mascotte.
mascotte, c'est Ursula Andress. Comme on peut avoir, la beauté, elle est définie par plusieurs manières. Elle a plutôt une beauté intérieure, mais c'est vrai, véritablement notre mascotte. Et on le consulte à chaque fois avant un match. Et en général, elle me donne de bons résultats. Et là, elle vient dire 2-1 pour ce soir, pour Fougères, bien évidemment. Ce soir, le stade Jean Manfredi va voir 2000 Fougerais s'unir derrière leur blason, comme rarement dans l'histoire du club. Vaillant footballeur s'apprête à défendre, quoi qu'il en coûte, la citadelle fougeraise. La résistance commence d'ailleurs même par un premier assaut breton, mais sur ce bon ballon, Yann Ateba ne trouve pas le cadre. En chef de file, Michael Martin joue juste côté gauche, mais son centre de l'extérieur du pied échappe à Justin Trideau, pourtant en position préférentielle face au but de Johnny Placine. Peu à peu, les Bretons voient alors les hommes de Régis Brouard entrer dans la partie. Sur ce corner, toutefois, Idriss Saadi ne parvient pas à cadrer sa reprise. Quand vient l'heure de la pause, le fier Bastion Fougeray est toujours debout. Vous avez envoyé un signal comme quoi là, on pouvait croire que c'était possible. Mais vous y êtes là, hein. Vous êtes dans le truc. Et on va rester sur le côté positif, jusqu'à preuve du contraire, les plus belles occasions, elles sont pour nous. Elles sont pour nous. Elles sont pour nous. Par contre, en faisant ça, les mecs, je vous le répète souvent, ça vous met un peu de pression, vous n'avez pas le droit de descendre en dessous. Fatigué, pas fatigué, hein. On continue. Malgré les encouragements de Pierre-Yves David, Sébastien qui revient fort, Théo Hamelin tient cependant bon sur sa ligne. Quelques instants plus tard, Idriss Saadi rapproche l'échéance, mais manque le cadre. Sur cette bonne passe de l'entrant Kevin Chour, Anthony Robic finit alors par percer la défense bretonne. Hamelin est battu, Fougères 0, Bastia 1. Le coup de grâce n'est ensuite pas très loin, mais Johan Bocconiano catapulte le ballon sur la barre transversale. Fougères jette tant bien que mal ses dernières forces dans la bataille, mais la forteresse effritée finit par s'écrouler lorsque trouvé par l'insaisissable Kevin Chour, l'ancien rennais Sébastien Salamanche double et clôt la marque à l'aube du temps additionnel. C'est sous les applaudissements du peuple de Fougères que les joueurs de National 3 déposent finalement les armes. C'est aussi un projecteur, cette compétition, on le sait, pour tous les clubs amateurs, et je le sais encore plus parce que je suis passé par là. Donc, je sais que pour eux, c'est un peu leur match de l'année. Et voilà, donc, c'est une belle fête du football. Ouais, non, mais bravo à mon équipe, bravo à mon association, bravo aux bénévoles. C'était une très belle fête, regardez tout le monde qu'il y avait ici. Et voilà, le plus fort a gagné aujourd'hui, mais on continue comme ça. Et voilà bien des promesses semées par ce joli parcours de l'AGL des Fougères. Les grandes idées de son président pour ce club formateur laissent d'ailleurs à penser qu'on reverra très vite les 11 tours du château de Fougères dans le paysage de la Coupe de France.